Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, je vais voir si je le fais sur 2 jours. Je vais voir comment la journée va se passer. Mais voilà, vous étiez nombreux quand même à laisser des commentaires sous le dernier vlog. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et du coup, voilà, ça me permet, moi, de m'exercer à nouveau. Voilà, aujourd'hui, bon, je me suis peut-être un petit peu maquillée, mais en fait, j'ai fait mes ongles et j'ai assorti mon rouge à lèvres avec un beau bouton en prime. Voilà, mais bon, c'est toutes les joies. De la féminité, on va dire, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un partenariat que j'ai déjà eu. Donc c'est avec la boutique de bijoux Who We Are. Donc vous voyez, j'avais déjà eu ces 4 bagues-ci, hein, voilà, que je porte tout le temps. Alors dans mes vidéos, des fois, je ne les porte pas, tout simplement parce que quand je fais ma vaisselle, je les enlève, parce que sinon j'échappe les assiettes, voilà. Surtout quand j'en mets ici à l'index, j'échappe, donc du coup. Des fois, vous m'avez vu sans bijoux, des fois, vous m'avez vu avec des bijoux, et du coup, voilà. Donc, j'affectionne particulièrement cette marque. Donc, je vous rappelle que Who We Are, c'est une marque française. J'ai choisi 3 produits que je vais vous montrer maintenant. Et je vais vous montrer, j'ai en fait un petit code promo pour vous, hein, comme d'habitude, que je vais vous inscrire ici à l'écran, qui est SCRAP15 en majuscule, et vous aurez droit à moins 15% sur tous les bijoux, valable une semaine après la date de la publication de cette vidéo. Donc voilà, dès que vous aurez cette vidéo, vous avez droit pendant une semaine à moins 15% sur le site Who We Are, sauf les packs bijoux. Donc en fait, ils font des packs et ça, c'est déjà remisé à mon avis. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas pour les packs. Donc comme d'habitude, c'est toujours présenté dans des petites boîtes comme ceci. Là, quand on ouvre, on a la petite pochette. Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, donc, c'est que c'est soit plaqué or, soit argent. Moi, j'ai choisi plaqué or. Et quand vous commandez, vous reversez 50 centimes à une association de votre choix. Donc, il y a 3 associations possibles. Et là, vous allez cliquer pour reverser à telle ou telle association. Donc, il y a la Ligue contre le cancer, il y a e-enfance et il y a la SPA. Voilà. Donc, comme ça, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Donc, j'ai choisi en premier lieu cette magnifique bague, voilà, nacrée, comme ceci. Et en fait, elle a 2 fonctions parce qu'on peut la mettre côté or, comme ceci, ou côté nacrée, comme cela. Donc moi, je l'ai pris en taille 56 et c'était marqué, attention, la bague est un peu grande. Donc effectivement, moi, la 56, c'est celle-ci. C'est celle que je mets ici. Et oui, elle est un peu grande. Du coup, je vais la mettre à l'index, tout simplement. Là, ça fonctionne bien. Donc, parce que moi, en fait, j'ai des doigts fins ici, mais j'ai une grosse jointure ici, je vous avais déjà dit. Et du coup, voilà, ça m'empêche de passer les bagues. J'arriverai à les passer, mais après, à plus les enlever. Donc, du coup, c'est pas ce que je souhaite. Donc, voilà pour la première bague, la désinvolte. Je la trouve vraiment très, très jolie. Vous voyez? Voilà, elle est magnifique. Et ensuite, mon choix s'est porté sur 2 paires de boucles d'oreilles. Donc, en fait, je vous les montre comme ceci, mais là, ils me les ont mis dans une boîte unique, mais on peut les acheter à l'unité même. Donc voilà. Alors j'ai choisi. Je vais essayer de vous montrer les basiques. Donc les basiques, ce sont juste des petites. Ça m'embête parce que mon téléphone ne fait pas zoom. C'est juste une petite boule. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça. Hop. Je vais la mettre ici. Ou au-dessus, mais bon, je préfère peut-être ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ceci. Et j'ai pris donc les étoilés qui se présentent comme ceci, tout simplement en forme d'étoile. Et là, c'est pareil. Je vais les mettre. Je la mets dans le deuxième trou. Alors désolé, vous entendez Tiziano qui pleure derrière. En fait, ce qu'il supporte pas, c'est que je ferme ma porte de la scrap room pour faire la vidéo. Donc tout simplement, on a l'habitude, dès que je ferme la porte pour faire la vidéo, et ben lui il se met à pleurer. Donc voilà pour la seconde. J'espère que vous aurez bien vu. Et voilà l'autre côté demi. Ouais, je suis vraiment satisfaite de leurs produits, j'adore. Donc, n'hésitez pas, hein, à aller faire un petit tour sur la boutique. Voilà, ça coûte rien d'aller faire un petit tour. Et franchement, leurs bagues, elles sont magnifiques. Donc, je suis vraiment très très contente. Donc, je remercie encore une fois la boutique Who We Are
pour ce nouveau partenariat, cette nouvelle collaboration. Et voilà, donc je vous ai montré tout ça. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à me donner aussi vos retours, parce que je sais qu'il y a des personnes qui avaient commandé la première fois. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous pensez de cette boutique. Et moi, eh ben, je vais continuer mon petit train-train. Il va falloir que je prépare à manger tout simplement pour midi. On se retrouve côté cuisine, alors vous voyez, en pleine préparation du repas. Donc gambas avec des petites tomates cerises, de l'oignon, de l'ail. On met de l'eau, des épinards. Donc là, j'ai mis des épinards surgelés. Je verse mon eau et ensuite je vais mettre mes pâtes à cuire directement dedans. Et là, mon conjoint a préparé ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez deviner ce que c'est. Vous voyez les petites fleurs jaunes là? Ce sont des fleurs de courgettes. Donc, c'est une galette à la fleur de courgette et c'est excellent. Alors, je vous reprends, il va être bientôt 19h, donc on a préparé la soupe, voilà, pour manger ce soir. Et du coup, cet après-midi, ça s'est enchaîné et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Donc du coup, on a été se faire une petite balade, je vous montrerai quelques petites séquences que j'ai prises. Et voilà, j'ai pris Tiziano qui marchait, il rigolait, tout, c'était vraiment sympa. Et du coup, après, on a été faire les fous, on peut dire comme ça, les fous en panda 4x4, en vieille panda 4x4. Et pareil, je vous mettrai une petite séquence, voilà, pour que vous voyez ce qu'on a fait. Tiziano, coucou. C'est dur? C'est dur? Tu choisis pas l'endroit le plus facile pour marcher, hein? Regarde Tiziano, les ânes et le cheval. Tiz, t'as rien vu? Je crois que ça l'intéresse pas du tout.
juste où on est passé en voiture. Vous savez, je vous ai montré par où on était passé en voiture. Et ben, c'était là. Regardez. C'était le petit point d'eau, là. Bien, bien gadouilleux. Voilà. Et puis là, on va monter la grande côte. Et oui, nous sommes des grands enfants, n'est-ce pas? Je tiens à vous le préciser, on s'amuse comme on peut. N'est-ce pas, hein, Tiziano? N'est-ce pas? Et là, il y a mon conjoint qui est en train de nous faire des gaufres, alors tout va bien. Tiziano, il est aux anges. Moi, bah, je ne sais pas si je vais en manger, hein, comme je vous ai dit. J'ai entamé le presque zéro sucre. Presque, hein, presque zéro sucre. Pour l'instant, ça fait que 2 jours, donc on verra, mais hein, hein, Tiziano? C'est dur. Après, Tiziano, étant donné qu'il a son régime alimentaire, voilà, je fais en sorte, finalement, je vais manger presque comme Tiziano. Ouais? Allez, tu dis au revoir, tu dis à demain? Allez, au revoir, à demain. Oh, je vous reprendrai demain. Et coucou! Donc, nous sommes le lendemain donc, du début du vlog. Et voilà, il fait un temps exécrable dehors. Il y a du vent, ça souffle, enfin oui, il pleut. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on va pas aller faire les fous en pendant 4x4 aujourd'hui. Là, je pense pas que non, ça se passe pas comme ça. Donc ce matin, je vais faire un petit peu de ménage parce que cet après-midi à 14h, j'ai l'éducatrice spécialisée de Tiziano qui vient avec la psychologue. Donc du coup, voilà, elles vont rester. Des fois, elles restent pas loin de 2 heures parce qu'on discute beaucoup avec elles, donc du projet de Tiziano, du projet de vie de Tiziano. Et du coup, voilà, donc je pense que je ne vais pas faire grand-chose en scrap aujourd'hui. Par contre, voilà, ce matin, il faut absolument que je vous fasse la présentation finale de l'album Halloween. Voilà, je ne vous montre pas plus. Donc, j'espère que vous m'aurez suivi dans cette aventure parce que franchement, ouais, je le trouve vraiment magnifique. En plus, cette fois-ci, voilà, je me suis vraiment forcée à faire des pop-up, hein, comme je vous avais dit, pour celles qui ont suivi mes vidéos. Donc, voilà, je trouve que le résultat est plutôt... Enfin, plutôt pas mal, oui, moi je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée. Donc bah voilà, j'espère en tous les cas que ce projet vous aura plu. Donc là, il faudrait que je tourne la vidéo de présentation, parce que après, demain, j'ai ma tata qui vient en vacances 4-5 jours. Donc du coup, là c'est pareil, je pense que le scrap, je vais pas faire grand chose. Le vlog, je sais pas, si elle veut vlogger avec moi, ça sera avec plaisir, mais je ne sais pas. Et du coup, voilà, je ne sais pas trop. Après, j'aimerais beaucoup attaquer, donc l'album... que je vous présenterai donc déjà le matériel qu'il faudra et après on débutera, ça sera un album avec des papiers action, voilà, mais je vous en dis pas plus, c'est Noël, voilà, Noël, action, pas plus, mais effectivement on va bientôt attaquer le mois de novembre, donc ça va venir vite et je pense qu'il y aura du boulot sur cet album, en plus j'ai beaucoup de choses à faire encore, que dans ma tête, voilà, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, mais... c'est pas dit que je vais y arriver, parce que c'est vrai que c'est quand même contraignant, voilà, tous les jours, là, comme je vous dis, elle est 15 jours de vacances scolaires, donc le grand, bon, bah, il est chez son employeur, puisqu'il fait un BTS en alternance, donc là, il est chez l'employeur, donc voilà, on le verra pas de la journée, par contre, Tiziano, effectivement, faut s'en occuper, donc il faut lui proposer des activités, comme je vous ai dit, d'ailleurs, j'essaierai de faire une activité avec lui, si je peux en vlog, ça serait vraiment bien, donc je vais voir, voilà. Sinon aujourd'hui j'ai sorti mes petits bijoux, voilà, mes petits bijoux que j'avais achetés cet été. J'avais acheté le bracelet avec, voilà, c'est normalement ça c'est censé porter chance, hein, puisqu'il y a l'éléphant qui est le symbole aussi de la chance. Il y a le mot luck, il y a le chiffre 13 et il y a le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Et j'ai pris donc la même chose en collier avec le piment en plus. Puisque le piment, c'est aussi source de richesse, de, voilà, de prospérité, de chance. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir de la chance. Sinon, petit look du jour, j'ai mis un petit gilet avec un petit haut blanc et j'ai mis mon petit mon short que j'ai l'habitude souvent de mettre, hein, je vous montre, avec des petits collants opaques. Voilà, parce que de toute façon, il pleut et je pense pas qu'on sorte, à moins qu'on sorte peut-être... en soirée, mais ça m'étonnerait. Voilà, je vous remets parce que vous étiez un petit peu bancal, c'est bien, vous voyez le manche du balai Swiffer ici. Voilà, ça prouve que je fais le ménage. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. On a ressorti la dame blanche. Je pensais que Tiziano aurait peur, mais regardez.
Voilà, vous voyez pas, mais tout à l'heure, il lui a tenu les mains. Et voilà. Qui c'est qui est venu sur le vlog vous faire un petit coucou? C'est qui? C'est Uno. Comment il va, Uno? Uno, il fait que de mordre. Il fait que de mordre, le petit chat. Tu t'es vu? Tu t'es vu, Mimiche? Tu t'es vu, Mimiche? Voilà. Ah, là, il me lèche. Là, il me lèche. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ah ben non, il lèche. Est-ce que tu te vois, Uno? Aïe, 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 ça y est, il est mort. Aïe, 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 aïe. Tu veux aller par terre? Hop. Voilà, donc du coup, l'éducatrice et la psychologue sont parties. Donc du coup, voilà, je vous reprends un petit coup. Il est 4h. Il doit être quelque chose comme 4h15. Moi, je me suis fait un petit thé. Je me suis préparé un petit thé, voilà, dans ma petite tasse qu'on m'avait offert. Avec le chat. Voilà. Et je voulais vous montrer. Je me suis fait un petit trip cet après-midi. Je vais vous montrer. En fait, j'avais un porte-bougie comme ceci, Party Light. Et du coup, j'ai mis plein de choses d'Halloween dedans. Des araignées, des chauves-souris, des yeux phosphorescents. Ici, j'ai mis un petit crâne. Voilà. Et j'ai mis la petite... je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire comme ça, vous montrer. Donc déjà, à l'intérieur, j'ai mis la petite guirlande citrouille. Vous savez que j'ai eu chez Action. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et je trouve, ouais, je trouve que ça fait une petite ambiance pour la soirée, là, sympathique. Et puis, il y a les petites bougies ici. Une petite bougie toile d'araignée. Comme ça. Ouais, j'ai fait ça fin de matinée. Je vois, ça m'a occupée. Je me suis dit, pourquoi pas faire... petite ambiance Halloween, sympathique. Donc voilà ce que ça donne. Avec les araignées phosphorescentes. Les yeux, là, c'est des yeux phosphorescents aussi. Avec leurs reflets, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'était ma petite déco supplémentaire pour Halloween. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter ici pour le vlog. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à aller sur la boutique où We Are. Hein. Voilà, pour faire votre petit choix si vous voulez, comme je vous en avais parlé hier. Parce que moi, franchement, cette bague, elle est top. Voilà, et ben sur ce, donc ben, je vous souhaite une très bonne journée créative, puisqu'on va se revoir très prochainement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à tous de gros scrap bisous.